mes élèves, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Talamid, ummahat la kutchadu fina. اليوم راح بإذن الله نديرو نموذج تحضيرا للاختبار الفصل الثاني لمادة اللغة الفرنسية لتلاميذ السنة الأولى متوسط دائما. قبل ما نبداو حاولوا الاشتراك في القناة لكي تصلكم جميع النماذج اللي راح نحطها بإذن الله تعالى. إذا نبداو على بركة الله. Voici notre texte, je commence à lire la pollution. La pollution est une dégradation de l'environnement par des substances chimiques et des déchets industriels causés par l'homme. Donc, je m'en tâte, التلوث هو تدهور البيئة بالمواد الكيميائية والنفايات الصناعية اللي سببها الإنسان. Elle affecte tous les êtres vivants, les hommes, les animaux et les plantes. Donc, il y a تأثر على جميع الكائنات الحية, الإنسان, les animaux, c'est الحيوانات et les plantes, النباتات. On distingue plusieurs types de pollution. Donc, هنا عندنا عدة أنواع, هناك عدة أنواع من التلوث. عندنا la pollution de l'air, autrement dit la pollution de l'atmosphère, provoquée par des polluants dits atmosphériques. Donc, هنا تلوث الهواء, autre بمعنى آخر, تلوث الجوي, ou le غلاف الجوي, provoqué سببه les polluants ملوثات الجوية. Les gaz d'échappement des voitures, donc هنا غاز السيارات, les fumées des usines, donc دخان المصانع. La pollution du sol, souvent d'origine industrielle ou agricole. Donc, on a eu le تلوث الأرض هو غالبا مصدره صناعي ou la زراعي. Utilisation d'engrais, donc on a استعمال ou la استخدام الأسمدة de pesticides, المبيدات الحشرات. La pollution de l'eau qui peut résulter de la contamination des eaux usées des usines, des nappes de pétrole. On a le تلوث الماء qui peut, donc اللي يمكن أن ينجم من تلوث الماء المستعمل في المصانع في بقع البترول. عندنا la pollution menace la vie sur la terre. Donc هنا التلوث يهدد الحياة على الأرض. C'est pourquoi nous devons tout faire pour lutter contre ce phénomène. Donc لهذا السبب يجب أن نعمل لمحاربة ضد هذه الظاهرة. Donc on passe à la compréhension de l'écrit sur 12 points. Très bien. Premièrement, dans ce texte, l'auteur parle de A, la pollution de l'environnement, B, le progrès de la science, C, le changement climatique. Encadre la bonne réponse. Donc, هنا je قالك le فهذا النص الكاتب l'auteur parle يتكلم على la pollution de l'environnement. Donc, تلوث البيئة ou là le progrès de la science, التقدم في العلوم ou là le changement climatique, donc تغيرات المناخية. هنا نجي نشوفوا النص ديالنا ديجا يبار دو لا بوليسيون التعريف تاع لا بوليسيون عندنا انواع لا بوليسيون دونك هنايا اون فا كوشي سور لا بروميير ريبونس سي لا بوليسيون دو لانفيرونمون تري بيان اون ايكري سا اون كادر لا بون ريبونس دونك نحطها في اطار تري بيان دوزيامون سو تيكست et de type explicatif, argumentatif ou narratif. Donc, هذا النص هو من explicatif, donc شرحي, ou argumentatif, donc حجاجي, ou la narratif, سردي. حنا النص ديالنا هنا قلنا, يتكلم على la pollution, il parle aussi sur les plusieurs types de la pollution, donc هنا, il explique c'est quoi la pollution, هنا, ça veut dire syntaxe, explicatif, راهو يشرح لنا وشنو هو التلوث وانواع التلوث دونك اون فاكوشي سور ان تيكست اكسبليكاتيف ماهوش حجاجي وماهوش ناراتيف ماهوش يحكي لنا في قصه تري بيان maintenant la question numéro 3 répond par vrai ou faux اجيب بصحيح او خطا alors La pollution est une conséquence des progrès de la science. Donc, التلوث هو نتيجة التقدم في العلوم. صحيح, vrai, C'est vrai. Deuxièmement, la pollution est causée par l'homme. Donc, التلوث هي تسببت من طرف الإنسان. C'est vrai. Donc, نلقاوها في النص ديالنا نعاودو نطلعو. هايليك. Les déchets industriels causés par l'homme. Donc, الإنسان هو السبب التلوث. Très bien. Maintenant, les fumées des usines provoquent la pollution de l'eau. Les fumées de l'eau, les masanés, provoquent tout ce que le تلوث الماء خطأ. C'est faux. Alors que les fumées des usines, il y a
تسبب في لا بوليسيون دو اكتبوا دو لير هاي اللي كنعاودو نشوفو فيها عندنا لا بوليسيون دو لير دونك تلوث الهواء بروفوكي بار دي بوليون ديت اتموسفيريك لي فومي دي زوزين دونك هنا لي فومي دي زوزين نلقاوها في لا بوليسيون دو لير ماشي في لا بوليسيون دو لو تري بيان. Maintenant, la pollution menace notre terre. J'espère que vous avez vu ça. La pollution menace notre terre. Donc, tel est ce que vous avez dit. C'est vrai. Donc, nous avons vu ça. Haïlik, le dernier paragraphe. La pollution menace la vie sur la terre. Très bien. On a sur 0,5 points. On passe à la prochaine question. Quatrièmement, trouve dans le texte, donc abhet ou la aoujit finnas, le synonyme de les ordures. Donc, on a mouradef, n'arfoub les synonymes, c'est mouradef, les ordures. Ou chnou, il y a les ordures, c'est des déchets. Donc, le synonyme taha, c'est les déchets. Il y a nifayat ou la al-qumamat, l'baqaya, tout ça, c'est des synonymes. N'joul annas diyouna, aïlik, n'lqawa des déchets. Donc, les ordures, c'est les déchets. Très bien. Donc on écrit les déchets. Les déchets avec S, c'est le pluriel. Très bien. Maintenant l'antonyme de la propreté. Je nous vois dit qu'elle met la propreté. La propreté c'est an-nadafa. Je nous ai dit diela. Fondos terna. Nous chauffons déjà le titre. C'est la pollution. Et telawot c'est l'antonyme, le contraire ou l'opposé de la propreté. Donc on écrit la pollution avec deux L. Très bien. Maintenant la deuxième question. Oui, la deuxième question, la définition de la pollution plutôt. Donc, je nous ai dit la pollution. Donc, je connais pour la définition qui fait la tarifa, il y a toujours le verbe être. Donc, nous avons le premier paragraphe, la pollution est. Donc, l'auxiliaire être, le verbe être. Ou là, nous avons c'est une. Ou là, son, qui connaît le pluriel. Donc, la pollution est une dégradation de l'environnement par des substances chimiques et des déchets industriels causés par l'homme. Point. Donc, point, on s'arrête en air. Donc, on écrit la pollution. On commence avec la majuscule. La pollution est une, donc telawot huwa, dégradation tadawur de l'environnement avec deux n, m, n, t, par des substances et mawed, kimiaïa, substance chimique avec S, substance plurielle, et des déchets, donc nifayet, la baqaya, c'est le synonyme d'ordure, causé des déchets plutôt industriels, senaïa, industriels, causé ce babouha par l'homme, l'insan. Donc, elle a un point. Très bien. Maintenant, une reformulation. Je connais la reformulation toujours, Adna, c'est-à-dire et autrement dit. Qui n'est pas une reformulation, ça veut dire il faut nous ces deux mots-là. Donc, il y a une reformulation, toujours en gras. D'ailleurs, la pollution de l'air, autrement dit, la pollution de l'atmosphère. Donc, il y a la pollution de l'air, la pollution de l'atmosphère, ça veut dire c'est la même chose, la pollution de l'air. Très bien, on écrit ça, une reformulation. Donc, on écrit la pollution de l'air, ensemble. La pollution
de l'air. Donc, t'es là ou elle est, ouais. Autrement dit, je vais changer de le feutre. Donc, autrement dit, donc, bimana akhar, il y a la pollution de l'atmosphère. La pollution de l'atmosphère, de la plutôt apostrophe atmosphère. Donc, El Jawi. Là, c'est pas attaché. Atmosphère. Très bien. Point. Maintenant, cinquièmement, l'homme doit éviter ou doit éviter la pollution pour sauvegarder son environnement. Donc, la proposition soulignée exprime, donc la fin exprime la cause ou la conséquence ou le but. Là où je connais déjà, le pour, ça veut dire pour, c'est le but. On comme Aïdan, la cause. La cause, elle a à cause de, grâce à, et car et parce que. Dès que nous sommes la cause, il faut nous le cas. Donc, il faut nous le cas à cause de. Donc, ça veut dire c'est la cause. Bisabab, elle a grâce à aussi. Grâce à, bifadl, c'est la cause. Il exprime la cause. Anna car, n'a alfouha kamel, et parce que. La même chose. Donc, kikounou hadou, ça veut dire c'est la cause. La conséquence, wesh adna. Par conséquent, l'idalika et donc, hadou, les deux toujours, n'elkaronf la conséquence. Le but, j'fna hadou, j'adna pour, et quoi aussi, afin de. Donc, kishoufou hadou, les deux, ça veut dire c'est. Le but, l'homme doit éviter la pollution. Pourquoi? Ou pour quel but? C'est pour, dans quel but? Pour sauvegarder l'ilhifad à son environnement. Donc, on va cocher sur le but. Très bien. Maintenant, sixièmement, on conjugue les verbes au passé composé. On conjugue les verbes au passé composé. L'homme, ça veut dire il au singulier. Polluer, c'est le premier groupe. Le passé composé, ça veut dire il faut qu'on être ou avoir plus le participe passé. Le participe passé, tu as pollué, tu as le verbe. Les verbes au premier groupe, toujours la fin, c'est et. Donc, là, nous avons le participe passé, tu as pollué. Et à la fin. Donc, là, on met être ou avoir. Maintenant, l'homme, il, ça veut dire le troisième personne du singulier, ça veut dire on va mettre avoir, il a. Polluer la terre. Donc, l'insen, le wata, elle a. Très bien. Hanadoka, les pollutions agrandir. Agrandir, c'est le deuxième groupe. Le trou d'ozone. Les pollutions, c'est il. La pollution, ça veut dire elle au pluriel. Deux L, d'ailleurs. Elle au pluriel. Donc, c'est la troisième. Personne du singulier, du pluriel plutôt. Donc, agrandir, on a le participe passé dialogue, toujours, tu as le deuxième groupe, c'est agrandi. La fin, c'est i. Agrandi. Combien? Donc, on a toujours il, les pollutions, ça veut dire la pollution ou les pollutions, elles. Je te fais moi bien. Elle, au pluriel, ça veut dire naushindiro, les pollutions ont agrandi. Ça veut dire en verbe. Le trou d'ozone. Très bien. Maintenant, on passe. Septième question. Écris correctement les participes passés. Le participe passé. Les ordures ont pollué. C'est presque la même chose. Les villes, les ordures, c'est les ordures. Donc, les ordures, en. En, ça veut dire il n'y a pas l'accord. Kinshufu, l'auxiliaire avoir, il n'y a pas l'accord. Donc, blemenhausu, elle est le sujet dialogue. Donc, on écrit directement en pollué, ça veut dire on met le participe passé.
C, E, accent. Donc, on a en, il n'y a pas l'accord. On ne cherche pas le sujet. Maintenant, on a par contre, on a sans, on a l'auxiliaire être. Donc, on a la fin, il faut y qu'on l'accord. On a les camions de la mairie. Donc, chahinette le beladia. Les camions, on a le pluriel d'abord, la première des choses. Les camions de la mairie. On dit un camion masculin ou féminin. Un camion, donc c'est masculin ou mudakkar. Ça veut dire jama' mudakkar. Sont arrivés, arrivés, c'est le premier groupe technique. Niktbou, arrivé et à la fin, accent. Mais comme puisqu'il y a l'auxiliaire R, donc chouf, on a le sujet d'Yana qui est l'accord pluriel masculin. Donc masculin, mais il douche E parce que c'est pas féminin. Pluriel, zido, le S à la fin. C'est le pluriel. Très bien, pour ramasser les déchets, donc les camions Chehinat al-Beladiya sont arrivés, wasalo, li, ramasser les jama' al-Nifayat. Très bien, maintenant on passe à la production écrite. Complète le paragraphe ci-dessous par des mots ou les mots suivants. Déchets, Nifayat, Qunam, Ulna, Sol, Al, Santé, Seha, Nature, Tabia. Environnement, le béa, maladie, amrad, ordure, nifayet, c'est le synonyme de déchet. Donc, il a dit avec le temps, à normalement, tu as dit tel mois. La pollution est l'un des dangers qui menacent notre. Donc, le talawut huwa ahad khatar. Il a dit, il a dit notre quoi? Notre environnement. Donc, il a dit notre environnement, le béa, diana. On écrit environnement avec deux N. Très bien. À cause des. Donc, bisabab des. Anna le pluriel. Ou anna le pluriel. Anna déchet pluriel. Anna ordure. Donc, on écrit anna maladie, mais on ne peut pas dire à cause bisabab des maladies. Non. Donc, à cause bisabab ennifayet. La pollution, il y a bisabab. Donc, on écrit la première, c'est déchet. Avec S pluriel. Et des ordures. Nifayet. Aoul fadalet. Ordure. Que les êtres vivants. Où les êtres humains jettent dans la, dans quoi? Kainhei yarmiha fi dans la ou la nature. Donc, fi tabia. On a déjà la nature est féminin. Akabeshtekdo bien, blé ako juste le mot. Il existe plusieurs types de pollution. Donc, la pollution de l'air, du quoi? Donc, du sol et de le, donc on a de L apostrophe, ça veut dire de l'eau. Avec O, c'est avec une voyelle, donc on a une petite voix, et sol, on a. Donc, du sol, et de l'eau. Donc, je vais enlever sol et O. Très bien. Donc, l'ushiradna, maladie et santé. Elle provoque plusieurs. Donc, tous ces bœufs, plusieurs, ushno plusieurs. Amrad, maladie, est déjà au pluriel, santé marche au pluriel, donc maladie, amrad, on écrit maladie avec S, et elle perturbe, donc elle perturbe, touche wish plutôt, notre quoi, et celle des autres espèces, donc elle bouleverse, perturber, c'est bouleverser, donc touche wish notre santé, c'est hadienna. Santé, très bien, donc maladie nahwa et santé et celle des autres espèces. Très bien, donc c'était notre sujet d'aujourd'hui. On est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. Je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Inch'Allah.